Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à me dire si le son est ok, si la musique n'est pas un peu forte. Je vais la baisser quand même un peu. Donc voilà, j'attends un petit peu vos retours son pour commencer gentiment. Bonsoir Fièvre François, bonsoir Terreur, ça fait plaisir de vous avoir avec moi ce soir, c'est cool les gars. Ce soir, un Imperial Fist, j'ai pas eu le temps de vous faire le petit récap. Concernant les différentes couleurs que je vais utiliser en visuel. Mais pour faire simple, ça va être les premiers assombrissements, ça va être du terre de sienne naturel transparent. Donc celui-ci, de chez Liquitex. Alors normalement, j'aime bien la couleur whisky. Malheureusement, de chez Procolor, malheureusement, je n'en ai plus. Voilà. Pour la petite information. Ensuite, ce sera du terre de sienne. Je vais y aller très léger. Ma sous-couche, c'est du Démonique Yellow de chez Army Painter. Et ensuite, bon, après, ce sera Freestyle. Vous allez voir au fur et à mesure. On t'entend impec, me dit Terreur. Super. Salut Enzo. Salut Sébastien Famel. Ça fait plaisir. Oui, on entend bien. Yomo. Hey, salut Sylvain. Bah, ça fait plaisir, on est nombreux, donc ça fait plaisir. Alors je vais commencer tout simplement les premiers assombrissements. Comme d'habitude, j'ai toujours pas cleané mon aéro. Si vous êtes venu pour savoir si j'ai cleané mon aéro, bah, sachez-le. Je ne l'ai pas cleané parce que franchement, en fait je l'ai cleané, mais je pense que j'ai un joint par là qui doit déconner parce que j'ai de la. Donc je vous montre. Je dois avoir un joint. Hop, par là qui déconne parce que j'ai une remontée de peinture ici, c'est ce qui fait qu'il s'encrasse très vite. Donc voilà, mais comme je vous l'ai dit, normalement bientôt je passe au MLD là, RM350 comme référence. Il a l'air très bien, il est tout neuf et je vais le ressortir de son emballage, vous montrer tout ça dans une vidéo à venir, comme d'habitude, dans un premier lieu pour mes boss sur Patreon et ensuite pour tout le monde. A priori, c'est un bon équivalent, donc ma foi, faut que je teste ça. Comme d'habitude, on n'hésite pas, on va mettre le petit pouce vers le haut. La vidéo part pas top, par contre, ça lag. Dites-moi si ça lag aussi de votre côté. De mon côté, j'ai aucun problème. J'ai pas de perte d'image. Image perdue, il y a zéro sur le logiciel. Donc voilà. Comme d'habitude à l'aéro, d'abord un petit peu de diluant. Cette peinture-là, je la dilue pas des masses parce qu'elle est déjà très liquide. Et je vais passer quelques filtres légers. Ma sous-couche jaune. Alors, les liquides. Alors, chez Liquitex, moi j'ai pris Acrylic Ink, tout simplement. C'est celle qui passe le mieux à l'aéro. Je me suis fait conseiller par la vendeuse, tout simplement. Et depuis que je l'utilise, ma foi, je suis pas déçu. Je vais juste rajouter dedans un peu de cuir cobra de chez PA Game Color pour juste l'épaissir un peu parce que sinon c'est trop léger. Encore une fois, franchement, si vous pouvez, chopez-vous directement de la Procolor, la couleur whisky, pour ombrer le jaune. C'est du pur. Pur bonheur, je dirais. Du pur bonheur. Je vais passer un premier passage très léger. En fait, l'idée là, c'est surtout de voir si la peinture accroche. Parce que, comme je vous ai dit, ma sous-couche a été un peu laborieuse. C'était un fond de Démonique Yellow. Et du coup, c'est très très lisse. Voilà. Quand on bosse à l'aéro, surtout, il faut se fier aux zones qui brillent. Pas nécessairement au changement de couleur, mais bien aux zones qui brillent. L'idée étant, si vous attendez de voir le résultat apparaître, il sera peut-être déjà trop tard et vous risqueriez de pousser la peinture que vous venez de déposer. Donc je vous le déconseille. Je vous conseille vraiment de vous fier aux zones qui brillent. Bon, alors là, forcément, c'est un peu plus chiant parce que toute ma figurine elle brille suite à la sous-couche un petit peu chargée que j'ai passée. Mais bon, ma foi, c'est pas ce qui va nous arrêter. On va gentiment avancer, poser nos ombres. En tout cas, ça a été vraiment tendu au niveau du sondage. Donc, c'était ou Salamander ou Imperial Fist. C'est les Imperial Fist qui ont gagné le jaune, hein, la faction jaune. C'est un peu la faction des tankers, hein, chez les Space Marines, si j'ai bien compris. Des rois de la fortification. Eh bien, moi, ça me va.
toute façon, c'est ce qui est intéressant, hein. Au final, on va finir par tous se les faire, ces foutus chapitres. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Je vais passer un petit coup de sèche-cheveux juste pour stabiliser un petit peu la couleur que je viens de passer. C'est classe ce mot stabiliser. Alors qu'au final, je passe juste un coup de sèche-cheveux. Alors, ça dit quoi sinon? Pas de lag outre-Atlantique. Bonsoir, bonsoir Thierry. Bonsoir Romain, ça fait plaisir. Bonsoir Mehdi. Alors le jaune qui n'est pas évident à traiter, c'est toujours pareil, tout le monde a un peu ses némésis. Certains c'est le jaune, d'autres c'est le blanc ou le noir. Mais en soi, souvent c'est parce que je pense qu'on appréhende ces couleurs et qu'on fait rarement au plus simple dans ces cas-là. Et vous allez voir qu'au final le jaune, je le traite de façon assez simple. C'est ce qui permet, je pense, de s'en sortir assez relativement facilement, quoi. Donc j'ai 2-3 personnes qui me disent que ça lag, mais de mon côté, j'ai aucun problème. C'est-à-dire que sur les paramètres de mon OBS, il n'y a pas écrit que ça lag ou quoi que ce soit, tout est au vert. Donc après, c'est peut-être parce que j'ai mis une latence de vidéo assez courte pour pouvoir voir vos commentaires assez rapidement, et c'est peut-être ce qui fait que... ça chie un peu dans la colle de votre côté. Donc je m'en excuse. Évidemment. Donc, vous voyez, c'est vraiment... J'y vais vraiment très léger. Le problème, c'est que si j'y vais un peu trop fort tout de suite... je vais finalement casser la base jaune et là j'essaie vraiment de la préserver. Petit coup de sèche-cheveux de nouveau, juste pour faire sécher un petit peu mes légères ombres. Donc il y a Obi Maquette qui est là ce soir. Salut Obi! Qu'est-ce que tu peins de beau? Qu'est-ce que vous peignez de beau? Balancez vos petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Entre deux, pensez au petit pouce bleu des familles, à partager sur vos groupes de peinture le cas échéant. Et YOLO, quoi. On est parti pour une petite heure, je pense, sur ce Space Marines. Il y a Julie derrière, qui est sur son téléphone. Ça va, Julie? Ouais, mais en fait... Tu voulais passer incognito? Hier, à cette heure si précise, j'ai fait une micro-sieste. Et ben... Eh ben, t'en as besoin de nouveau. Et ben ouais, c'est pénible. Ah ouais, mais c'est comme ça. Et puis, ces temps-ci, il y a pas mal de monde qui est un peu fatigué avec ce temps chelou, là. Si t'as besoin d'une micro-sieste, fais ta micro-sieste, chérie. Hein. C'est pas moi qui vais te... Mais c'est vrai qu'il est tard, en fait. Bah, c'est 20h10. Ouais, il est pas si tard en fait. Donc c'est pour ça que je... Donc voilà, là c'est assez doux. Je sais pas si vous voyez bien, c'est un peu saturé au niveau de l'écran. Je vais baisser un peu la saturation. Parce que là c'est n'importe quoi. Mon jaune est beaucoup trop jaune. Ouais. Je pense que c'est assez proche. Donc vous voyez, ça brille pas mal. Mais ça, il va falloir que je passe un petit coup de vernis mat dessus parce que c'est beaucoup lié à la sous-couche. Donc ça, faut accepter, avancer et on corrigera ça sûrement sur des étapes, mais plutôt à la fin. Donc ça, quand ça arrive, malheureusement, les gars, bah, faut tenir bon, avancer et puis voilà, à la fin, ça sera corrigé. Je vais revenir sur mon deuxième assombrissement très très léger aux terres de Sienne cette fois. C'est toujours délicat parce que les Imperial Fist, au final, le jaune, je trouve que ça appelle énormément les... donc ça c'est le terre de Sienne. Le jaune, je trouve que ça appelle les Battle Damage, sauf que les Imperial Fist sont censés être très propres sur eux, pour info.
Ouais, je suis comme ça. Du coup, je verrai. Peut-être que j'ajouterai quelques battle damage, mais pas forcément grand-chose. Juste pour vous montrer comment je m'y prends. Mais je vais essayer d'y aller très, très, très léger. Donc là, vous voyez, c'est un vrai problème, cette sous-couche qui glisse. Mais on va vraiment... Ouais, dans la vie, il faut savoir s'adapter. Et là, je vais juste m'adapter en y allant encore une fois. Et en y allant très léger. T'as le Covid, chérie? Parce que tu fais que tousser, t'es fatigué. Non, j'ai pas le Covid. Tu vas aller te faire tester, toi, ça va aller vite. Non, 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 je me fais pas tester. T'en as marre? J'en ai marre de tout le monde. Est-ce que vous vous êtes fait tester dans les commentaires? Est-ce que vous êtes pris un truc dans le nez? À défaut de se le prendre dans le... Dans le fondement. Je me suis demandé d'ailleurs si l'image où on voyait en Chine la meuf en direct live se faire un contrôle rectal, c'était un fake. Je pense que c'est un fake, mais putain, sur le coup, j'ai trop bugué quoi. T'as vu ça? Ouais, j'ai vu ça, ouais. Mais c'était pas un film de boule, ma chérie, je te jure. Non, non, je sais plus c'est qui m'a envoyé ça, mais j'ai trop rigolé quoi. La pauvre dame, tu sais. Bah, je sais pas, hein. Ça m'avait l'air bien chelou quand même cette histoire. Mais bon, on sait pas, donc voilà. Je vais juste rajouter quelques petits battle damage avant d'éclaircir. L'idée ici c'est de. Putain, mon pinceau il fait des siennes. Alors, j'ai Enzo qui dit Lieutenant Primaris pour moi. Bah, ça fait plaisir, Enzo. Il y a Terreur. Il y a Left House qui dit on manque de likes ici. Bah, merci, Left House, de le rappeler. Allez, mettre votre petit pouce bleu pour mon référencement. Aussi, ça fait plaisir. Il y a Terreur qui dit pour l'instant, peinture en suspens car je finis mon déménagement. Comment va Julie ce soir? Ça va. Fatigué, mais ça va. Et notre Gimli National, lui, il est, comment te dire, casse-couille ces temps-ci. Ouais, il est un peu pénible. Il est un petit peu casse-couille, donc on se demande ce que c'est, et puis bon, on va essayer de mieux comprendre la bête. Mignon. Il est trop mignon, mais en ce moment, il est pénible un peu. C'est tout, c'est comme ça. Ouais. Donc là, je reviens avec mon terre de sienne, mais au pinceau, et vous voyez, la peinture a tendance à un peu s'arracher. C'est ce dont j'avais peur, c'est-à-dire que en gros, ce qui m'inquiétait un peu, c'était... La sous-couche est tellement lisse que la peinture aéro, en fait, n'accroche pas des masses. Julie, elle a fait un bruit, on dirait que c'était... Là, je lisais le message de Dracula. Qu'est-ce qu'il a mis? C'est 4 tests pour ma part. Oh putain, mon 4... sinus droit on fire. Oh putain, mon pauvre petit Dracula. Bah courage, mec, courage. Force et honneur pour ces moments douloureux. Donc là, je fais du lining tout simplement au terre de sienne. Et vraiment, ma sous-couche, elle est fat sa mère. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je fais mon lining au noir. Hein, juste pour bien démarquer les différentes zones les unes des autres. Ça dit quoi d'autre dans les commentaires, Julie? Tu veux me les lire? Des pinceaux Army Painter, si pour une statue tu me conseilles bronze avec vert de gris ou doré avec des détails de rouille pour un monument. Wow, bah les deux fonctionnent bien, et les pinceaux Army Painter pour du bâtiment, je pense que c'est bien, mais en figurine un petit peu plus poussée, je pense que, enfin, moi je conseille que les Raphaël ou les Winston et Newton là, ou je sais pas quoi là. Les pinceaux qui vont bien, quoi. Vraiment les pinceaux de super qualité. Mais pour du bâtiment, le Raphaël, je considère que c'est... Le Raphaël, le Army Painter, je considère que c'est très bien. Et pour les bâtiments, vraiment, suis ton instinct. Parce que je pense que tu peux faire les deux. Et ça peut vraiment claquer. Cumuler, tu veux dire? C'est-à-dire cumuler. Non, non, non. Ou l'un ou l'autre. Ah, voilà. D'accord. Ouais, ou l'un ou l'autre, mais tu vois, mixer en fait sur une même table des bâtiments de différentes couleurs, okay. Ça peut permettre de donner vie au truc, quoi. Ouais. Ok. Stéphane Michel qui dit « J'avais eu un souci de sous-couche lisse sur notre cours, le Wolfen. C'était bien galère, ben, même en full pinceau. »
Ouais, parce que la peinture a tendance à glisser. Mais tu verras qu'en fait, quand tu commences à pousser un peu plus loin la peinture, bah, à chaque problème, tu vas essayer de te trouver des petites solutions pour continuer à avancer. Là, en plus, par rapport au fait qu'on soit en live, bah, l'idée, c'est pas de s'arrêter en cours de route. Parce que je pourrais très bien vous dire, bon, bah, les mecs, c'est loupé pour cette fois. Mais bon, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de pas lâcher le steak. Donc, j'essaye dans ces cas-là de ne pas tellement tirer ma peinture, mais de la tapoter ou de la déposer pour éviter que ça arrache le pigment, tu vois. Donc, ça arrive, malheureusement. Et tous ces problèmes-là, en fait, faut essayer systématiquement de se dire, allez, on s'en balèque, on pousse le vice, on va au bout du délire. Et voilà, c'est juste un moment un peu plus chiant qu'à l'habitude à passer. Mais comme vous le voyez, voilà, ça passe, quoi. Là, déjà, sur mon jaune, en fait, enfin, pour vous dire, j'ai quasiment fini le gros, hein, c'est-à-dire en fait les parties les plus jaunes sont ok. Là, ce que je vais faire, c'est surtout du réau, de l'affinage, du peaufinage, mais globalement c'est ça, hein, Imperial Fist, c'est du jaune qui pète sa mère quand même. Et évidemment, après il y a toutes les autres zones qui vont venir et qui vont venir un peu compléter ce jaune. Je vais regarder si sur ma palette on voit bien. Donc là, j'ai mis mon petit jaune. Et là, hop, je vais venir un petit peu sur les arêtes. Et là, vraiment, avec le flanc du pinceau, je ne vais pas hésiter à pousser pour réétaler un petit peu mon jaune. Évidemment, si je sens que ça commence à s'arracher ou des trucs comme ça, j'arrête. Je continue sur une autre zone. Et la zone sur laquelle ça a eu tendance à s'arracher, je reviendrai dessus si nécessaire plus tard. Si vous trouvez que le jaune c'est pas assez couvrant et que ça vous saoule, vous pouvez toujours faire comme ça, mélanger un petit peu votre jaune à du blanc. Donc ça vous c'est comme si vous passiez tout de suite sur des éclaircies beaucoup plus claires, quitte à ce que derrière vous reveniez avec le jaune pour atténuer, affiner ces éclaircies-là. C'est pas du tout un problème, faut juste avoir conscience du fait que vous reviendrez plus tard. Et pas bloqué sur le fait que votre dégradé n'est pas parfait. Je sais que ça peut poser un problème à certains. Donc là, pour la fin de semaine, je prévois pour mes boss sur Patreon une petite vidéo où je présente justement le nouvel aéro, là, le RM350. Et je vais essayer de refaire quelques vidéos vraiment spécifiques aéro. Et il y avait une autre vidéo de prévue, mais j'ai oublié. Mais je l'ai annoncé là. J'ai fait un petit planning pour le mois à venir. Je ne sais plus si c'est un Equanim Sinewall ou si c'est. Bref, il y a un petit planning. Et ça, c'est cool. Et pour nous, bah, on va continuer. Je ne sais pas trop ce que je vais vous proposer pour la semaine prochaine. Est-ce qu'on continue sur une autre Légion Space Marine? Ça peut être sympa. Là, la semaine dernière, j'ai balancé aussi une figurine de. Comment ça s'appelle déjà? Reichbuster. Franchement, les figurines, elles sont bien chamées. Je sais pas si vous avez vu, c'est un jeu de Mythic Games. Une espèce d'Uchronie où l'Allemagne a fait des espèces de vieilles créations dégueulasses et où on combat les nazis pour les bouter hors de quoi d'ailleurs, je sais même pas. Enfin bref, vous avez compris quoi. Et franchement, le jeu il a l'air très cool, les figurines sont juste ouf. Et là, j'en ai peint une pendant un cours avec l'ami mince, Régis. C'était très chouette. Et du coup, j'ai eu la possibilité, avec son autorisation, de vous partager ça. Mais je crois que je l'ai partagé pour le moment au boss. Et puis, il arrivera incessamment sous peu pour tout le monde. Alors, Stéphane Michel, j'avais un souci. Lefthouse, le top pinceau, c'est Lancer et Newton Raphaël Da Vinci. Exact. Petite question pour une peinture Candy. Les Battle Damage, ça passe? Une peinture Candy. Qu'est-ce que tu penses par peinture Candy Left House? À défaut de Battle Damage, comme tu vas nous faire un petit free hand des familles, tel que le point de Thorn. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas pour le free hand de fin? Mais je pense aussi faire quelques petits Battle Damage quand même.
Ne serait-ce que sur le bas, en partant du principe que, bon, en gros, c'est une fac, c'est les Imperial Fists prennent a priori vachement soin de leur équipement, donc les battle damage n'ont pas forcément de sens, sauf si ils se sont pris des battle damage durant la partie en cours. Donc on pourra dire qu'on en glissera un ou deux quand même pour montrer que ben, ils ont déjà pris des coups dans la bataille. Bref, tout peut se justifier avec une petite dose de fluff, et ça, c'est pour ça qu'on aime bien le zombie. Peinture Candy, j'ai l'impression que c'est avec des reflets. Ah oui, les peintures Candish, c'est Candish. Les peintures Candy, ouais, je crois que c'est les peintures de chez Green Stuff World, un truc comme ça, mais je ne suis pas sûr. Terreur, si tu peux me préciser ça. N'hésite pas. Et du coup, je pourrais plus facilement te répondre. Parce que là, en l'état, ben, je peux pas. Bon, je peux pas, là, hein. Je peux pas répondre, hein. Est-ce que je peux pas la question, hein. Non, chat. Qu'est-ce qu'il y a? Pas les accents comme ça. Fais-nous un petit accent belge, c'est joli autrement. Ben, c'est comment un accent belge, chérie? Tu crois que je suis bon en accent, moi? T'en fais plein. En plus, les Belges, c'est les plus sympathiques du monde, je trouve. C'est un truc de ouf, comme ils sont gentils. Qu'est-ce que ça manque, les conventions belgiques, sans déconner? Ouais, c'est Trolls et vrai ça. légendes, tu vois, C'était ces trop conventions bien. sur 2 jours ou 3 jours qui sont juste épiques. Tu reviens toujours avec des étoiles plein les yeux et des souvenirs plein la besace. Et vraiment, les gens qu'on rencontre à chaque fois, c'est un pur régal. Avec plein de... Merci. Qu'est-ce que t'en penses, toi, chérie? Tu te souviens, il y avait On a... il y avait une actrice de Harry Potter. Ah oui, et on bloquait, on se disait, mais pourquoi Mais je la connais, mais elle, je je la la connais. reconnais, elle. Mais elle avait un rôle tout pérave dans Harry Potter, je crois. Non, Hein. c'est. C'est pas Fleur, c'est. Mais non, c'est pas Fleur de la C'est Cour. la. Non, non. Elle est super bonasse, Fleur de C'est. la Cour. Allez. Quoi? C'est la femme Ah, pardon. de Lupin. Ah oui, c'est ça, c'est la femme de Comment elle Lupin. s'appelait? Fleur de la Cour. Mais non, Fleur de la Cour, ben c'est pas elle. Britney Spears. C'est peut-être Britney Spears. Johnny B. Goode. Faudrait qu'il réponde dans le groupe. Attends. Non mais tu crois vraiment qu'ils suivent nos conneries? Mais les gens, ils. C'est connu Harry Potter, chérie. Non mais je C'est connu, déconne. je t'assure. Non mais je parlais de nos conneries à nous, pas de Harry Potter. Harry Potter, c'est pas une connerie. Là, je t'avoue que j'ai pas regardé les commentaires, si tu peux jeter un coup d'œil. T'es encore en Il y a train de quelqu'un jouer. qui va répondre. T'es encore en train de jouer à Dustin, toi. Mais j'ai plus de Steam. Quoi? Ah, t'as plus C'est de la femme vie? de Georges Moustaki. Ah Je pense pas, Sylvain. Je pense pas que ce soit elle. Merci Sylvain pour ta punchline. Franchement, ça nous manque. Encore une fois, la dernière soirée chez Pierre, on a eu toute une phase revival, Sylvain, avec toutes les anecdotes Tu nous as bien où tu manqué. nous as bien manqué parce que putain, qu'est-ce qu'on a pu rire. Les amis, Sylvain, que vous avez, au-delà d'être un excellent peintre, c'est avant tout un sacré énergumène. Si vous saviez le nombre d'anecdotes magistrales, franchement, je peux peut-être en raconter une. C'est celle où il est allé à un mariage où il n'était pas invité. Il savait pas au début. Oui, non, mais ça, je sais qu'il savait pas, mais qu'est-ce que c'est drôle à chaque fois, toutes ces... Franchement, Sylvain, mets fin à un one-man show, quoi. Tu racontes ta life et je pense que les gens, ils vont même pas y croire. Créateur d'aventure, s'il vous Sylvain, créateur d'aventure, je trouve que ça claque. Ça devrait être ça, ton blaze. Ça devrait plus être Shrek Painting, ça devrait être Sylvain, créateur d'aventure. Vous faites chier dans votre vie? Partez un week-end avec Sylvain. Partez en week-end avec Sylvain, créateur d'aventure. Vous êtes même pas prêt de revenir. Vous êtes pas prêt de revenir, ouais, c'est sûr. Enfin, en tout cas, on s'est bien marré. Ça faisait du bien un petit peu de voir un tout petit peu de monde, même si c'était pas non plus un grand rassemblement, évidemment, vous vous en doutez. Je reviens, mon chat. Tu fais quoi, chérie? Je vais me boucher. Ah, c'est nom de code quand elle va faire caca, ma chérie.
Elle m'a dit, ouais, quand t'es en live et que je vais faire caca, je dis que je vais me doucher. Là, je vous rassure, elle va vraiment se doucher. Commencez pas à Je lui ai charrier. dit, je veux faire ce que je veux, hein. Ouais, c'est vrai, excuse-moi. Elle veut pas que j'étale notre vie privée en public, elle a bien raison. Excuse-moi, chérie. Putain, à cause de vous, je vais me faire engueuler maintenant. Comme vous le voyez, hein, je fais comme je peux pour accéder un petit peu, petit à petit à toutes les zones et rehausser un petit peu mes arêtes à peu près partout. Ça dit quoi dans les commentaires? Ça fait un moment que j'ai pas regardé. Je sais pas, désolé. Et pour les Belges, c'est dit, tu prendras bien une petite bière une fois. Ouais, t'es rare, t'as raison. C'est la femme de Georges Moustaki. J'ai vu la vidéo, ça donnait envie. Et marché juteux peut-être. Ouais, t'as raison, Sylvain. Super juteux, ouais. Sacré Sylvain, va. Enfin voilà. Je continue à rehausser mes arêtes, même si c'est long, un peu chiant. Mais voilà, c'est parti du délire. Je sais pas s'ils ont pas le casque rouge d'ailleurs, hein, les Imperial Fist. Les Imperial Fistules. Non, je crois que c'est pas Fistule, hein, parce que Fistule, ça veut pas dire la même chose. Je pense que, en fait, quand j'aurai suffisamment avancé, je me permettrai peut-être de passer un petit coup de bombe de vernis parce que ça me saoule complet, ce côté très très brillant. Je vais baser quelques zones aussi pour commencer à y voir un chouïa plus clair. Donc là, j'attaque avec du Mephiston Red. C'est un rouge assez sombre, assez couvrant aussi. Qui va me permettre de tout de suite avoir une couleur rouge correcte au niveau de mes épaulettes en essayant évidemment de pas déborder de partout parce que faut essayer toujours de préserver un petit peu l'aspect jaune du bordel. Donc là, faut vraiment que je décharge un peu mon pinceau parce que sinon je risque d'en foutre partout. Voilà, vous voyez derrière, j'en ai déjà mis un peu. J'essaye de vraiment pas toucher mes zones jaunes. J'aurais pu aussi passer d'abord avec un petit peu de noir, ça aurait pu faire le taf. Ou un peu de marron rouge, ça aurait été bienvenu. Au final, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans. Je crois qu'il y a sur les Imperial Fist, on a quoi? On a le bordure des épaulettes en rouge. Je crois qu'on a aussi le. Je sais pas si on a le casque ou pas, mais je crois que l'Aquila aussi. Donc l'espèce d'aigle qu'il a au niveau du torse, il me semble qu'il est rouge aussi. Bref. Vous voyez ce que je veux dire par je ne sais pas trop quelle couleur poser sur certaines zones. L'Aquila, donc rouge, on a dit. Donc là, pour l'atteindre, c'est bien casse-couille. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Là, par exemple, je m'en fous de déborder un peu sur le bolter, ce sera pas un souci puisque je vais repeindre le bolter par la suite. Je vais faire les yeux probablement rouges, à moins que le casque soit rouge, auquel cas faut pas faire les yeux rouges, c'est une connerie. Je vais regarder peut-être sur le net. Je vais regarder dans les commentaires déjà si vous m'avez répondu. Cercle blanc sur les épaulettes. Dites les amis, j'ai eu un problème de téléphone. Est-ce que Mo a répondu à ma question pour peindre des night out? Waouh, non.
Ah ouais, pas bête, Marcellus. Alors oui, j'ai déjà fait du Night Hunt de mémoire en live. C'était deux cavaliers, mais oui, t'as raison, je pense que ça peut être cool. Et puis c'est l'occasion de se mettre aussi à OS. Ouais, je suis assez preneur. Avec plaisir. Alors je vais regarder vite fait. Quand je tape image pour les Imperial Fist, sur quoi je tombe? Ouais, en gros, non, il n'y a pas vraiment de. Si, les casques, j'ai l'impression. Oh non, les casques sont jaunes ou rouges. Ah, rouge, c'est quand c'est les boss d'escouade, mais non, sinon, c'est ça. C'est beaucoup de jaune, tout ça. C'est beaucoup de jaune. Bon, ben, on va faire avec, j'ai envie de dire. Ça roule. Je vais continuer. Je vais passer un petit peu aussi au noir. D'ailleurs, merci. Je vais passer au Basilicum Grey pour être plus précis. Merci à Steve qui est passé cet après-midi mais qui m'a déposé un petit pot de Basilicum Grey qu'il a pris chez SPL. SPL sur Paris, c'est une chouette boutique qui fait de super prix en plus. Donc, quand on a besoin de faire un petit restock vite fait, bien fait, c'est pas très loin de chez moi parce que c'est du côté de Saint-Lazare et j'y ai accès assez facilement. Donc bingo. Petit Gimli, il est en train de ronquer derrière. Putain, il a la belle vie, le petit. Mais c'est pas bête, les Night Hunt. Faut que je vois si j'ai accès à cette collection Hachette chez mon Buralist. Pour le moment, je suis pas allé voir, honnêtement. Non pas que je m'en foute, mais j'ai pas eu l'occasion parce que je me dis que c'est toujours bien. Comme beaucoup le disent, pour débuter à AOS, ça peut être la bonne occasion. Sachant que j'ai déjà du Night Hunt, comme je disais, je sais que j'ai peint deux cavaliers. Et oui, effectivement, les effets fantomatiques, les trucs comme ça, c'est assez cool. Surtout, et d'autant plus si vous possédez un aéro, franchement, c'est vraiment, vraiment très pratique l'aéro pour ce genre d'effet. Donc, j'hésite pas, hein, le. Je le mets aussi sur ces zones-là. Pour tout ce qui est cuir et tout ça, je pense que je vais certainement partir sur quelque chose de plus sombre en termes de marron. D'habitude, j'ai tendance à tourner sur un snake beat ou ce genre de couleur. Mais là, il me faudra vraiment une couleur pas jaune du tout, un marron assez sombre, genre marron au chocolat ou Scorched Brown, mais je crois que Scorched Brown c'est une ancienne référence de chez Games. Et ben ouais, c'est là que je me rends compte que je suis un peu vieux hein, quand même. Hein. Un peu vieux pour ces conneries quand même. Alors, je continue. Oula, mon niveau de batterie est faible. Alors ça c'est la meilleure. Ma batterie doit être débranchée, les amis. Hop. Je vais regarder derrière. Voilà. Je suis rebranché. J'ai failli vous perdre. Ça aurait été tellement dommage. Là, on en est à une demi-heure de live, en gros. Et honnêtement, ben voilà, pour le moment, ça avance bien. Donc là, je me mets au taquet de. Basilicum Grey, avec du recul, j'aurais peut-être pu me permettre de mettre directement la contraste noir. Je me rappelle plus le nom exact, mais je pense que ça aurait encore plus écrasé ces zones-là et ça aurait pu les faire ressortir. Enfin, faire ressortir d'autant plus mon jaune, je veux dire. Ça aurait pu être intéressant. Mais c'est pas grave, j'ai commencé comme ça. Je vais utiliser le rouge d'ailleurs, parce que vu que mon casque va rester sur ces teintes, donc je vais vachement le diluer et je vais vraiment le passer hop, dans les yeux et légèrement en diluant encore un peu plus. Donc c'est vraiment là, c'est vraiment de la flotte que j'ai. Hop, je vais essayer d'avoir une zone un peu plus étendue au niveau de mon rouge, juste pour donner l'impression que ça fait
que ça fait un petit OSL autour des nonoïs. Toujours bienvenu. Je reviendrai plus tard dessus. Je reviens au basilicum grès. Donc là, pareil, je vais essayer de faire le pourtour de ces zones-là aussi. L'idée, hein, sur cette couleur-là, c'est vraiment d'avoir quelque chose de plus sombre. Pour avoir des zones qui se démarquent suffisamment les unes des autres. Donc je vais repasser un petit coup ici. Je vais démarquer aussi un petit peu les zones en marquant un petit peu ce passage-là. Donc ça c'est fait. Je vais faire aussi le bas des guêpes. L'espèce de semelle là. Alors vous voyez, je déborde un peu, c'est pas bien. C'est pas grave, je reviendrai dessus plus tard. C'est comme ça, vaut mieux avancer plutôt que d'essayer de corriger tout de suite. Ça risque de faire plus de grabuge qu'autre chose. Voilà, il y a aussi cette petite zone là, hein, ne pas oublier. Tout ce qui peut nous permettre en fait de distinguer les zones les unes des autres, hein, typiquement sur une armure de Space Marine. Ben, en fait, il faut en profiter puisque ça va nous permettre d'avoir vraiment une pièce plus lisible en fin de course et ça fait vraiment la diff. Donc voilà. On va pouvoir tester aussi, donc je vais refaire un passage sur le bolter, parce que je le trouve pas assez sombre encore à mon goût. Hein. Encore une fois, je pense qu'un petit passage directement avec l'encre Games contraste noir aurait aussi bien fait le taf. Mais bon, c'est pas grave, des fois il vaut mieux faire deux passages de gris à basilicum grès en se disant, bon ben au moins... au moins c'est sûr, je préfère le noir plutôt que passer du noir et se dire ah ça aurait peut-être été mieux en basilicum grès. Vous voyez ce que je veux dire. Ça permet de doser un peu plus les étapes. Et quand on est sur un schéma de couleur comme ça qui va être amené potentiellement à être décliné sur plus de figurines, il faut toujours faire ses marques et découvrir un peu comment on va orienter le schéma. Dos couleurs, de couleurs, j'allais dire dos coulos, mais ça ne veut rien dire. Au niveau des doigts, je vais faire un test, parce que ça me chagrine un peu qu'il n'y ait pas assez de démarcation. Donc là, je vais juste passer un snake bit très dilué pour démarquer correctement les doigts au niveau du gun et un peu sur les zones un peu qui auraient été un peu chiantes en fait à faire en mode lining au fur et à mesure. Ça permet facilement de tout de suite les décrocher et mettre vraiment des ombres un peu globales. Je peux le faire aussi dans certains creux évidemment. Je
J'utilise beaucoup la contraste comme ça pour détacher des zones complètes en passant tout simplement ma contraste sur toute la surface. Et ma foi, c'est assez pratique. J'aurais pu d'ailleurs faire cette figurine à la contraste, mais je l'ai pas fait. Allez savoir pourquoi, des fois. Comme je fais pas mal les choses au feeling, voilà, j'ai commencé comme ça. Maintenant, je vais revenir avec mon terre de sienne. Je pourrais toujours le mélanger un petit peu à du noir si c'est nécessaire. Je sais même plus ce que c'est comme couleur, ça. Bon, c'est pas grave. Je vais en récupérer un peu. Ah oui, c'est le... Je suis bête. C'est le Snake Beat Laser en version contraste. Donc là, hop. Avec ma couleur d'ombre. Bah, j'ombre. Et je vais faire quelques éraflures en mélangeant un peu de terre de sienne et de noir. Donc comme je disais, je vais essayer de faire ces éraflures de façon très légère, très douce, pour éviter d'avoir quelque chose de trop criard et de rester un petit peu en rapport et raccord avec la faction des Imperial Fist qui lustrent dès qu'ils le peuvent leur armure avec passion. Donc là, par exemple, je vais en mettre là. Donc toujours pareil, on va toujours essayer sur les petites éraflures comme ça. On va toujours essayer de viser les zones un peu anguleuses, hein, finalement, qui prennent plus facilement les ch'tars. Et les zones un peu rondes aussi, qui ont tendance à prendre aussi un petit peu les coups. On va dire que c'est typiquement celui-là, ce serait un mauvais élève chez les Grimson Fist, parce que... C'est chez les Imperial Fist, pardon. Parce que son armure, elle est un peu abîmée quand même. Vous comprenez? C'est pas bien. Mais je trouve que ça donne quand même. Sur le jaune, ça fait tout de suite quand même vachement ressortir les couleurs. Et je trouve ça vraiment pas mal. Puis bon, ça changera un petit peu des schémas officiels. Je suis concentré sur la peinture ce soir, les amis. Je suis un peu moins loquace et bavard que d'habitude. Mais n'hésitez pas à vous ambiancer dans les commentaires, à échanger. Voilà quoi. C'est un petit espace libre sur lequel on peut dire un petit peu toutes les conneries qui nous passent par la tête en peignant ou sans peindre ou en découvrant la peinture, selon. Donc n'hésitez pas à échanger, les gars. Même si je suis pas forcément toujours aussi loquace, et ce soir, voilà, je suis peut-être un peu moins loquace, mais je suis concentré sur la peinture. Je kiffe bien, hein. Encore une fois, à chaque fois que je fais une vidéo de ce style, honnêtement, ça me donne envie de me lancer. Là, dernièrement, ben justement, avec Stéphane, donc en ce moment, ben, on est sur ses tyrannides. Donc le but du cours, c'était de lui trouver un schéma de couleur efficace. Et du coup, je dois bien avouer que pareil, j'ai envie de faire du tyrannide. C'est super agréable, rapide à peindre. Ce que je veux dire par là, c'est que je me laisse facilement entraîner, moi, dans de nouvelles aventures. Puis ça me change un peu de l'orque. Mais c'est vrai que je ferais bien une armée peut-être un peu plus élitiste que de l'orque ou du tyrannide pour éviter d'avoir 70 000 pélons à peindre, vous vous en doutez. Mais ça reste un bon challenge.
Ouais, bon, les éraflures, je vais arrêter là parce que je m'étais dit que j'allais en placer que quelques-unes. Là, ça fait quand même peut-être un petit peu beaucoup, mais bon, peu importe. Maintenant, une fois qu'on a fait les éraflures, on va continuer. Alors, je suis dégoûté, je pensais être bien avancé dans Conquest belge. On est au 26. Ah. Hello Metal Beer, bon courage alors. Metal Beer, je passe juste faire un petit coucou, trop de boulot ce soir. Courage à toi. Hello, il y a Nicolas qui nous dit dès que la petite furie est couchée, je reviens. Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Merci Adrien Sanchez, ça fait plaisir. Hello Jonathan, le silence des agneaux, lol. Vas-tu éclaircir les bords du bolter? Oui, bien sûr. Enfin, je vais le peindre surtout. Parce que là, le bolter, j'ai juste basé. Donc, évidemment, oui, je vais revenir. Voilà, au final. Voilà, le jaune, en fait, j'en ai presque. Enfin, je suis presque au bout dans le sens où. Bah, c'est du jaune, quoi. Ça demande pas nécessairement autant de travail que ce que j'aurais pu penser. Surtout que l'aéro a fait une bonne part du taf, honnêtement. Mais je vais continuer le jaune un peu, déjà. Je vais. Donc là, je reviens juste. Parce que j'ai remarqué que les semaines n'étaient pas assez marquées. Donc je refais un petit passage. Et je vais revenir de nouveau au blanc. Remarquer un tout petit peu plus les arêtes. Sachant que. Ah là là, il y a plein de petites parties que j'ai oubliées, décidément, ce soir. Fatigué, moi. Vous êtes fatigué? Alors, hop. Voilà. Alors, vous voyez, c'est bien dégueulasse par en dessous. Mais bon, ça fait partie du truc quand on fait du tabletop. On prie le bon Dieu pour que les adversaires retournent pas nos figurines. Et je pense qu'ils le font rarement, en vrai. Mais l'essentiel, c'est que sous cet angle-là, ça fonctionne. N'est-ce pas le plus important, les amis? Donc là, je rehausse en dessous des éraflures, hein, pour bien montrer que, pour leur donner un peu de volume. Encore une fois, faire des battle damage sans rehausser, bah en fait, autant ne pas en faire, quoi, parce que ça manque vraiment de finish, je trouve. Mais dès lors qu'on les rehausse un peu, ça, tout de suite, ça pète. Et ça fait un peu plus ressortir et ça donne plus la sensation de volume qu'on cherche à avoir quand on fait ce genre de petit effet. Alors, j'ai eu la chance de recevoir du coup un petit colis de Artel W, donc ça va être chouette. Je vais pouvoir peindre un petit peu d'orques de chez Artel W. J'ai aussi reçu les dragons pour le trône de fer. Donc ça pareil, je vais vous les peindre à l'occasion. Donc encore merci à Asmo, Artel W, parce que ça assure. Ensuite, quoi d'autre? Oui, sur Patreon, avec les collègues, on va peut-être se prendre le buste de chez Spira Mirabilis et le peindre tous ensemble. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas. Alors, il faut savoir que les bustes, en gros, ils mettront un petit temps quand même à arriver, hein. Mais si ça vous dit, bah, le buste, il va être en vente sur une durée assez limitée. Et en fait, ça permettra de pouvoir peindre ça avec les copains du Patreon durant facilement un mois de live, je pense. Mais vraiment, en avançant petit à petit, en partageant, ça va être un chouette moment. Alors, ça va pas arriver tout de suite, je pense. Le buste va arriver d'ici un mois ou deux. Donc, peut-être un mois, peut-être deux. Je sais pas, mais ça met quand même un petit peu de temps, hein. C'est bien, c'est une petite gamme portée par un sculpteur et son. Ça va, chérie? Je t'entends faire pichou pichou. Non, je lis. Ah, tu lis? Tu lis quoi de beau? Non, pas grand-chose, je prends un rendez-vous. D'accord. Je t'en demande pas plus comme je suis en live. Ben oui.
Donc là, forcément, au niveau de mes mains, c'est un peu bavé. Entre la contraste gris et la marron, il y a eu un vieux mélange dégueulasse. Mais c'est pas grave. Nous, le dégueulasse, ça nous fait pas peur. Oula. Il y a eu un loupé sur la partition. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs hein, si le son est toujours ok, si pour ceux pour qui ça laguait au début, ça continue de laguer ou si maintenant c'est redevenu normal. Je pense à Sylvain entre autres choses parce que j'ai vu 2-3 commentaires dans ce sens-là. Et voilà. Alors je rappelle rapidement, donc premiers assombrissements directement sur une sous-couche jaune de... alors idéalement... Si vous avez de la couleur whisky de chez Procolor. Sinon, ben là, j'ai utilisé du terre de sienne naturel de chez Liquitex Acrylic Ink. Ça marche aussi. Et sinon, du cuir cobra, du Snake Beak Brown, ou je ne sais plus quel est le nom exact, de chez Games, de chez les anciennes gammes, ça marche aussi très bien. En gros, faut utiliser un marron qui est jaune pour venir ombrer votre jaune, tout simplement, pour casser un petit peu le côté péchu du démonique yellow que j'ai passé au tout début directement à la sous-couche. Et j'essaye au fur et à mesure de toujours préserver au final la sous-couche que j'ai passée, qui me tient lieu de première couche de base vraiment sur l'ensemble de la pièce. Alors comme vous le voyez, je reviens encore au blanc, ça me permet de continuer à rehausser mes arêtes là où je ne l'ai pas fait, par flemme, hein, parce que j'ai eu la flemme de le faire forcément tout partout du premier coup. Donc maintenant, je remets ça et je rattrape les endroits où je ne l'avais pas fait correctement. Alors encore une fois, hein, c'est pas forcément le must pour les Imperial Fists d'avoir une armure pleine de crasse, mais en même temps... C'est pour l'exercice, ça fait plaisir. Et puis, on s'en bat les reins. Qu'est-ce que t'en penses, toi, chérie? On s'en bat les reins? On s'en bat les reins. De ouf. Je suis trop d'accord avec toi, ma petite chérie. Voili, voilà, voilou. Là, ben, on est rendu à... ça fait à peu près... Ça va bientôt faire une heure, là. Et je considère, voilà, l'armure en elle-même... assez abouti, ça va suffire je pense. Et je vais continuer un petit peu sur les autres zones. Et si on ombre direct au whisky, bah oui, c'est ce que je dis, il faut. Sérieux Sébastien, on entend Gimli ronfler. Oh putain. Et il y a Pierrot qui est avec nous, coucou Pierrot. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la petite chaîne de Pierrot qui fait bien plaisir. On y parle de Wargame et un petit peu de Wargame. Ah, c'est cool qu'on entende Gimli ronfler, ça me fait plaisir, vous pouvez pas savoir. Moi qui m'en voulais de pas réussir à partager ça avec vous, maintenant que je sais que vous l'entendez ronfler, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc là, je vais revenir avec un petit peu de blanc dans mon... Je vais même en mettre un peu plus. Donc un gris, hein, tout simplement, un gris neutre. Juste pour rehausser un petit peu... mes zones de noir et vite à main. Donc l'idée c'est de pas aller trop loin non plus hein. Non. Ne soyons pas trop fous. L'idée c'est d'y aller léger. Alors à voir, selon si vous préférez, vous pouvez très bien revenir au métallique directement hein, sur les armes. Moi j'aime bien faire ça au gris, donc après ça peut donner un gris genre arme militaire actuel, un peu un gris très sombre que j'ombrerai un petit peu s'il faut avec quelques rayons de marron rouge pour lui donner un peu plus de profondeur. Mais vous pouvez, comme je dis, hein, très bien revenir directement au métallique et rehausser ça au métallique. Les deux fonctionnent très bien sans souci. Il a arrêté de ronfler, tiens. Tu l'as pris avec toi? Il s'est réveillé. Ah, c'est pour ça qu'il a entendu qu'on parlait de lui. Ça. Tu fais ton yoga? Ouais. Ah, j'en étais sûr. Je pense que c'est
c'est pour ça qu'il s'est réveillé. Ah bah oui. Il s'est dit, ah, elle veut jouer. Il a rien compris, ce chien. Il ne comprend rien, le petit Gimli. Qu'est-ce qu'il est mignon. Mais qu'est-ce qu'il est mignon. Donc voilà, hein, j'essaie évidemment de le faire des deux côtés, même si c'est un petit peu chiantos. Il y a une zone forcément moins accessible que l'autre, hein, vous l'aurez remarqué, mais c'est pas grave, on avance. Je vais revenir aussi au gris, faut pas se priver, hein, au gris clair. Je vais revenir aussi un petit peu sur les shoes, tant qu'à faire. Vraiment toutes les parties au noir, je les rehausse un petit peu de gris. Ici pareil. Donc ça fait un peu solennel cette musique, mais c'est quoi? Ben ouais, mais non, mais après, moi je sais que c'est la musique qui fait plaisir à Julie. Et en plus, franchement, je commence à bien kiffer aussi. Enfin, je trouve que c'est vachement plus agréable pour peindre que la musique libre de droit, un peu. Je cracherai pas dans la soupe parce que cette musique libre de droit, elle est géniale dans le sens où ça me permet d'avoir de la musique à glisser dans les vidéos. Mais c'est vrai que des fois, ça casse un peu la tête. Donc au final, ça me permet. De faire un live de façon plus sereine. Je trouve. Plus serein, d'ailleurs, parce que je suis un mec. Plus sereine, c'est si j'étais une meuf, n'est-ce pas, Julie? Oui, c'est bien. Merci. J'essaie de m'auto-corriger aussi, je suis comme ça. Dès que je peux. Ouais, bah ce soir, ouais, désolé, on vous parle pas spécialement de mon transit. Y a pas. Je suis pas d'anecdotes rigolotes sous le coude. Pourquoi tu voulais parler de ton transit? Ouais, parce que ça m'a fait marrer la dernière fois. Il y a David Herbs qui m'avait envoyé un message pour me dire: ah, vivement ce soir que tu nous parles encore de ton transit. Du live où j'ai passé mon live à parler de mon transit parce que tu voulais pas me faire du solide à manger. Non, parce que je te faisais trop de poireaux. Ah oui, voilà, c'est ça. Souviens-toi. Bref, on va pas revenir là-dessus, c'est pas intéressant. Et tout ça pour dire que. Voilà, ce soir je suis un chouïa moins loquace. Là, hop, des petites pointes de blanc un peu partout, hein. Vraiment l'idée c'est d'avoir une zone très sombre. En fait je vise pas nécessairement du non métallique, mais plutôt vraiment une arme de guerre un peu futuriste, enfin non, je dirais même moderne, même pas futuriste mais moderne, vous savez, avec ces armes qui sont dans une matière toute noire qui reflète pas tellement la lumière. Mais bon, là, en l'occurrence, je suis obligé, évidemment, de rehausser au blanc, parce que si je mets même pas de blanc, on risque de rien voir du tout. Je vais regarder un petit peu les commentaires avant de commencer à glisser du côté de la pause, de la petite pause tranquillou milou. Moi, on a bien avancé déjà en plus, donc ça fait plaisir. Je pensais pas que ça irait aussi vite, honnêtement. Comme quoi, se faire une armée d'Imperial Fist, ça peut aller vite, je pense. Surtout que c'est un schéma qui pète sa mère, je trouve. Enfin, qui pète, dans le sens où c'est jaune, quoi. Enfin, forcément, ça pète, puisque c'est jaune. Qu'est-ce que t'en penses, toi, chérie? Ouais, je suis d'accord, chérie. C'est jaune poussin, le bordel. Forcément, ça pète un peu. Après, il faudrait que je fasse quand même le cuir un peu, mais pareil, je pense vraiment partir sur une recette très simple, à savoir un cuir très sombre. Encore une fois, juste pour bien se démarquer du jaune. C'est ce qui, je pense, marchera le mieux. Je vais essayer systématiquement dorénavant de partager un petit peu l'avancée de mon live sur Facebook le lendemain. Parce que c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Et que c'est dommage, puisque ça vous permet aussi à vous, si de votre côté vous peignez des Imperial Fist, bah de se dire ok, d'accord, il a fait ça dans la durée du live. Je ne sais pas moi. Mais bon, en tout cas, je vais essayer de faire ça.
Je trouve ça assez intéressant. Donc, Alors, il y a Sébastien qui dit tant qu'on ne sent pas ses flatulences, putain, je t'en parle pas. Moi, je parlais de l'alcool, pas de peinture. Leftaos. Ah oui, de l'alcool. Non, j'ai pas essayé. Par contre, j'ai regardé tout à l'heure. Il y a Ben Kometz qui a partagé une super vidéo. Il est fort, cet individu. Il est très gentil en plus. Adorable. C'est vraiment une crème. Ben Kometz qui a partagé un système de weathering au thé. Avec du thé, les amis. Et franchement, c'est trop cool. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sa petite chaîne YouTube à Ben Kometz et à regarder le weathering avec du thé. Parce que j'ai trouvé ça juste génial. En fait, il se sert de l'espèce de dépôt qu'il y a, en fait, quand le thé commence à stagner. Il y a une espèce de petit dépôt qui se fait au-dessus. Et en fait, il va passer sa figurine légèrement au niveau de ce dépôt. Et le dépôt va se faire sur la figurine. Il va laisser sécher. Et bingo. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça. Mais vous comprendrez mieux quand vous aurez vu la vidéo. J'ai trouvé ça génial. T'as entendu, chérie? Non, c'est quoi? C'est un mec qui. Donc, Ben Kometz, tu sais qu'on a croisé souvent. Qui est adorable et qui a fait un tuto sur comment faire du weathering, de l'usure, avec du thé. C'est cool ça. C'est trop bien. Mais j'ai trouvé ça tellement cool, quoi, Ce quand je serait l'ai bien de vu. faire des vidéos comme ça un peu insolites. Bah, c'est pas vraiment insolite, ça, en plus, c'est une technique. Bah, ouais, mais tu peux en trouver d'autres peut-être. Ah oui, bien sûr, mais je trouve ça génial, quoi. Bah, je pense que tu dois pouvoir faire pareil avec du marc de café, tu dois pouvoir réutiliser plein de choses. Mais regarde, la dernière fois, en fait, pareil, il y a Pierre, là, des dingues de jeu, qui m'a mis. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu encore, allez regarder sa vidéo Space Hulk, qui cartonne tout. Je suis trop content pour lui, puisqu'il fait un max de vues en plus. Et c'est bien mérité, parce que sa table, elle est ouf, bref. Et Pierre, il a une technique pour se faire des sols craquelés à base de litière pour chat. Et la technique, elle est oufissime. Elle cartonne. Bref. J'essaierai de vous mettre ça. Si Pierre fait pas une vidéo, je lui en parlerai. J'en ferai une. Mais putain, comme j'ai trouvé ça mortel. Bref. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Et Quoi après, d'autre? si vous passez à la maison, vous pouvez vous passer de la litière parce que on a pris le gros paquet et ça prend de la place. Ouais, c'est en dessous de ma chaise, chérie. D'où ça prend de la place? Oh là là. Donc cette partie-là aussi, je vais la faire en noir tant qu'à faire. Ça me permet juste d'y voir un peu plus clair. Ouais, ça me permet quand même d'avoir une zone un peu plus nette aussi. C'est pas déconnant. Là par contre, ça va être un peu trop cracra pour que je puisse retoucher. Donc, il y a Sipi qui dit bonsoir, bonsoir à toi. Il y a Pierrot qui dit oui, je sais, mais il y a 3 ans. J'ai rien vu. Mo a déjà fait quelques figurines Star Wars Légion. Ah, oui, Pierrot, j'en ai fait il y a 3 ans et j'ai des droïdes déjà à faire. Donc, c'est gentil de ta part, mais voilà. Après, si tu as le véhicule des droïdes là, que j'ai pas spécialement mis la main dessus, ben, ce sera avec plaisir et je ferai des vidéos avec grand plaisir. Bah par contre, je te préviens tout de suite, Pierre, ça restera à la maison. Mais bon, ce sera joué sur les dingues de jeu. Mais ouais, le seul. En fait, c'est les droïdes là que je cherche. Mais j'ai juste chopé la boîte de base. Je l'ai partagé avec Morgane. Et du coup, lui, il a vachement avancé. Mais pas moi, parce que je suis sur mes commandes. Et que j'ai 1 milliard de trucs sur le feu. Mais écoute, je suis pas contre, mais voilà. On s'envoie un MP et puis on verra parce que c'est pareil niveau délai. Je sais pas pour quand ça peut arriver, quoi. C'est le problème. C'est le problème. Mais ouais, les droïdes me font bien plaisir. Donc là, j'ai mis. Je reviendrai dessus de toute façon. Mais oui, j'ai un schéma très facile et très rapide pour les droïdes de Star Wars Légion. Mais ça viendra en son temps, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a plein de trucs sur le feu. Là, je continue gentiment. Et je pose encore quelques zones de lumière. Mais je vais essayer de vraiment mettre juste des points sur quelques zones de gris, mais pas beaucoup plus. Pour essayer de faire très très simple. Quoi d'autre? Là, hein,
Parce que mine de rien, hop. 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 Alors, voili, voilà, voilou. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ben, je crois que ça va être le temps de ma petite pause, les amis. Ben, après, vous voyez, c'est quand même bien avancé. Donc, je vais faire les petites sacoches. Après la pause, petite sacoche, tranquillou, milou. Et puis après, à voir si je fais le free-end. Je sais qu'il y en a qui doivent bien s'amuser à me demander à chaque fois des free-end. Mais je le ferai avec plaisir si j'ai la foi. Mais, parce que là, je ne l'ai pas trop. Mais peut-être qu'après une petite clope, un petit coca, parce que là j'en ai besoin, j'aurai un peu plus la niaque et je vous ferai le symbole de la Légion, à savoir le point des Imperial Fists, le point de Dorne. Dorne? Tu connais Dorne, chérie? Non, je connais pas. C'est le boss du chapitre que je suis en train de peindre, il s'appelle Dorne. Il a vraiment un nom de merde, non? Dorne. C'est particulier, chaton. Ça fait un peu genre... Bah, tu me diras. J'allais dire que ça fait un peu... Ça fait un peu nom de porte chez Ikea, quoi. Oh non, quand même pas. Ah ouais? Quand même pas. D'accord. Moi, je trouve que ça faisait nom de porte. Et en même temps, ça irait bien, parce que vu que c'est des spécialistes du siège, je pense que les portes, ça les connaît, tu vois. Les portes costauds. Bon allez, c'est nul, mes blagues sont nulles ce soir, mais m'en voulez pas, je suis un peu fatiguette. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve après, putain déjà, j'ai oublié, désolé pour le putain les amis, j'ai oublié de rehausser cela, alors que j'ai dit que des éraflures non rehaussées, franchement, c'était la zermie. Bon, là ça devrait le faire. Donc voilà pour ce petit Imperial Fist. Je vais faire une petite pause et ensuite je reviens tout de suite. Pourquoi je prends cet accent, putain? Oui, tu vois, à tu vois, suite. Tu sais faire les accents.
De retour. Alors, vous voyez, magnifique papier toilette, très important. Le sopalin, c'est surfait. Et puis, comme ça, ça nous fait moins de fournitures à acheter. Bon, je reprends. C'est pour l'écologie, chérie. C'est pour l'écologie et l'économie ou pas? Bah oui, sûrement, ça va avec. Ah ouais? Bah oui. Tu veux dire qu'on peut faire de l'écologie et des économies? Hey Dolon, Lolo, bonsoir à tous et à toutes. Très curieux et impatient de prendre une leçon. Le jeûne, c'est chaud et n'est pas un pro peinture. Un cours de maître, ça ne se refuse pas. Bah, t'arrives un peu à la fin. Parce que le jaune, en fait, là, je l'ai traité déjà. Donc, en fait, juste pour rappel, je suis parti d'une sous-couche. Démonique Yellow de chez Army Painter. Ensuite, couleur Whisky. Et j'ai rehaussé. Et ensuite, un tout petit peu de couleur Terre de Sienne. Et ensuite, j'ai rehaussé de blanc mélangé à du jaune. Et puis, voilà, Eidolon. Donc, voilà, je sais que t'arrives un petit peu sur les dernières parties. Mais comme ça, au moins, ça te permet d'y voir clair sur les petites étapes. Alors, le point qui est important pour moi, pour ce type de couleur, parfois, je le disais, parce que quelqu'un d'autre m'a fait la remarque, mais quand on part sur du blanc ou du noir, ou des couleurs qui peuvent paraître un peu casse-couille, souvent c'est juste qu'on en fait trop. Et c'est pour ça que je voulais montrer qu'en fait on pouvait faire quelque chose de très simple, assez rapide et qui fonctionne. Je reviens avec un peu de terre de sienne très diluée en fait, que je vais passer un petit peu dans mes zones de noir, juste pour leur donner un peu plus de volume. Ça ne se ressent pas forcément à la caméra, mais à l'œil, ça se ressent et ça fait un petit rappel en plus avec les autres teintes. Donc, c'est toujours bienvenu. On peut d'ailleurs utiliser ce même marron pour par exemple, ombrer un petit peu plus certaines zones comme à l'arrière. Là. Je vous conseille de ne pas trop le faire parce que sinon, vous allez vite vous rendre compte que ça peut cradosifier, enfin rendre plus sale les zones. Donc, ça, je vous conseille d'y aller vraiment avec parcimonie, puisque comme vous le voyez là, par exemple, c'est quand même un peu poussé. Bref. Ensuite, ce que je voulais faire, moi, c'était quoi? Oui, je voulais faire un petit peu les sacoches, toutes les petites zones, mais il n'y en a pas tant que ça, finalement. Mais c'est pas grave. Je vais les faire, je vais prendre un peu de... Je vais rester un petit peu sur mon marron rouge. Je vais le mélanger à du noir, si j'en ai encore du frais, on va dire. Et ça va me permettre d'avoir un marron très sombre. Donc je vais pas hésiter à faire les bandelettes d'ailleurs avec ce marron. Enfin les sauts de pureté, quitte à les éclaircir par la suite. Donc je me demande si je vais pas redécaler les lives à 9h. J'aime bien 8h parce que ça me permet d'être... On commence tôt mais en même temps avec le couvre-feu à 6h, je me dis est-ce que tout le monde ne mange pas de toute façon plus tôt? Enfin c'est notre cas avec Julie. Mais c'est pas plus mal, soit on se couche, on est un peu moins lourdingue. Et du coup, je me disais que ça pouvait être le cas pour plus de monde que nous. Mais à voir, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent après une heure de live, donc vers les coups de 9h. Donc peut-être, je ne sais pas, dites-moi en commentaire si finalement l'horaire de 9h vous convient plus. J'aviserai pour mardi prochain, décalé à 9h, je pense. Toi, t'en penses quoi, chérie? 9h? Ouais, revenir à 9h. Ce serait 9h, 23h. Ouais, un truc comme ça. Je sais pas, moi j'aimais bien 8h, mais... Non. Ça te fait finir tard, quoi. Ouais, mais bon, de toute façon... Mais demande aux gens. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Je vais voir un peu ce qu'ils me disent. On va revenir quand même... En attendant que ça sèche, on va revenir sur le rouge. Je vais même faire hop cette petite sacoche là, tant qu'à faire. Alors comme je le disais au début, mon Demonic Yellow de chez Army Painter, c'était la fin de la bombe. Et sur les fins de bombe, très souvent, ça a tendance à briller. Donc je pense que je
Je vous montrerai sûrement demain sur ma page comment je fais. Sur Facebook, je vous montrerai le résultat une fois le vernis passé, sachant que je passe toujours mon vernis pour tableau acrylique Talence en vernis mat qui fonctionne assez bien. J'avais une tuile, je vous en avais parlé. Et je suis juste allé à ma boutique, ils me l'ont changé, donc voilà. Et la nouvelle fonctionne bien, elle matifie bien. Je reviens sur le rouge avec du rouge Garance directement de chez Prince Auguste. Ça me permet juste de booster mon rouge un peu. À voir, le rouge c'est toujours pareil. On n'est pas obligé de le pousser non plus à fond dans les extrêmes. Je peux très bien m'arrêter au rouge Garance. On peut toujours aussi pousser un peu jusqu'au orange et au blanc sur des zones assez limitées. Ça permet quand même de lui donner un peu plus de patate à notre rouge. Donc après, c'est vraiment en fonction du rendu final que vous voulez. Alors moi, j'ai tout collé comme un sangouin. Forcément, il y a des zones qui sont plus difficilement accessibles. Mais je vous conseille, si vous le pouvez, de coller vos bolters après. Ça vous évitera de galérer comme je galère actuellement sur le plastron et d'en foutre partout par la même occasion. Là on voit pas, mais je pense que je déborde un peu. Bref, vous avez compris quoi. Là, vraiment, je me concentre sur les parties hautes. Je vais revenir dans la petite loupiote des yeux, sachant que je suis même pas sûr qu'on le ressente. Moi, ouais, un peu quand même. Donc là, toujours avec mon rouge assez dilué, hop, je repasse un petit peu autour, juste pour montrer que la lumière des yeux a tendance à irradier, autour. Donc là, le orange va être nécessaire. Hey Dolon, cette figurine est déjà magnifique. Pouf, la classe, et c'est pas fini. Merci, c'est gentil. Gaël, hello, non, je ne dîne pas plus tôt. C'est quoi ces gens qui ont fini de manger à 20h? Ben, j'avoue que je sais pas quoi te dire. Julie, tu peux répondre parce que là, je me sens comme agressé par Gaël. Non, mais c'est juste, moi, de mon côté, ma nutritionniste, elle m'a dit de manger tôt. Alors, on va tous manger tôt, voilà. Voilà, vous avez entendu Julie? Voilà, sa nutritionniste, elle lui a dit de manger plus tôt. Alors on mange tous tôt. Voilà. Vous voyez un peu la tyrannie que je vis au quotidien. Et je vous parle même pas des kebabs, des KFC, des Burger King. Tout ça, les amis, c'est fini, quoi. Et tout ça, pourquoi? Bah, pour accompagner ma chérie. J'espère qu'elle en fera autant pendant le Ramadan. Ah là, elle moufte pas, là. Mais chatoune. Je te taquine, chérie. Ça, si on peut même plus rigoler, franchement. Eh, manger tôt, faut quand même garder le sourire. Hein. Non, mais franchement, je me sens vachement mieux. C'est vrai que le fait de bouffer à 7h, ça peut paraître bizarre. Hein. Mais en fait, c'est pas mal, moi, je trouve. En tout cas, je te suis à 200%, chérie. Non, mais en plus, on s'habitue super rapidement. Moi, je trouve, non. Ouais, grave. Non, toi encore, t'as du mal. Non, franchement, j'ai trop la patate, là, en plus. Ouais. Non, je déconne. Ouais, si, on s'habitue vite. Non, mais c'est vrai qu'après moi, quand même, après les lives, j'ai tendance à un peu boulotter parce que souvent, je finis. Après, en fait, après un live, souvent, je suis un peu sous le coup... Il faut un petit peu de temps pour que l'énergie retombe. Et j'ai tendance à me coucher un peu plus tard quand même que la marmotte qui est à côté là. Donc là, je reviens avec un petit peu de blanc dans mon orange, juste pour rehausser vraiment. Et là, je me limite à des points assez limités. Même si
J'arrive pas forcément à m'imiter de ouf, mais vous avez compris l'idée. Alors le point de Rogaldorn, maintenant il faut que je regarde, parce que là globalement je vais faire le free-end et puis c'est marre quoi. Le free-end. Il y a Eidolon qui dit c'est une. Ah bah, c'est cool. Marcellus, oups, c'est quoi la chaîne YouTube pour le Weathering avec du thé? Ah ben je me rappelle plus Marcellus, putain. Merde. Mais c'est Ben Comet, non? Il y a Gaël qui dit et le dîner, et le souper et l'encas de minuit. C'est parce que c'est des putains de hobbits joufflus là-bas. Ouais, Gaël, hobbit team comme tu dis. Et c'est vrai que c'est drôle, mais. C'est vrai que c'est drôle, putain. Qu'est-ce qu'on a pu bouffer pendant pendant cette session peinture on a bouffé plus qu'on a peint, je crois, en fait. Donc, il y a Gimli qui souffle. Alors, je vous raconte même pas. Hein. Ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Il en a marre de nous, je crois. Je vais commencer un petit peu le symbole des Imperial Fists. C'est un cercle. Et je vais m'arrêter au cercle. Non. C'est un cercle avec dedans un point, avec dedans un autre cercle et un autre point. Non, c'est juste un cercle avec un point dedans. Un point dans le sens un fist, quoi. Enfin, un point fermé, pas un point. Voilà, quoi. Compris, chérie. Ouais, mais tu vois, chérie. Ouais. Non, rien. Donc, je vais juste essayer de faire. Donc, comme d'habitude, hein, je commence par les formes simples. Ici, le cercle. Je vais essayer quand même de me faire un grand cercle blanc, puisque dedans, faut quand même que je fasse un point. Au cas où vous ne l'auriez pas compris. Autant que j'ai un petit peu de place, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je ne suis pas à l'abri du loupé. Comme je le dis souvent, un freehand, surtout quand c'est un symbole d'armée comme ça. Il faut le faire et le refaire pour au final réussir à le faire facilement et rapidement. Ici, je me suis pas entraîné avant, donc je vous garantis pas la réussite totale de cette échappée belle. Je dis vraiment n'importe quoi. Donc là, le blanc, je vais le laisser un peu sécher. En attendant, je vais faire. Putain, mais j'ai ce papier qui fait que de se barrer, c'est assez agaçant. Tchouk. Ensuite, est-ce qu'il me reste du noir? Non, je vais reprendre un petit peu de noir pour faire le petit cylindre noir, le petit cercle noir autour du blanc, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Donc comme d'habitude, on va essayer d'être le plus fin possible. C'est pas gagné, hein. Mais on y va petit à petit. Toujours pareil, il y a toujours le fait que je sois, pour pouvoir filmer correctement, assez loin de ma figurine. Hein. En temps normal, je suis collé à ma figue là pour faire ce genre d'exercice. Mais là, pour le live, forcément, c'est plus difficile d'être collé. Mais on va y arriver. Donc, toujours de bons appuis, pensez-y. Hein. Ces moments-là, je suis toujours un peu en apnée. Et forcément, quand on est en apnée, bah, on parle moins, hein. Ce qui doit en réjouir certains.
Et ensuite, on va décomposer un peu la forme. En gros, hein, c'est un... Comme je l'ai dit mille fois déjà, c'est un point. Donc là, en gros, pack. On va positionner quatre doigts. Donc là, il y a le pouce qui va venir par ici. Donc là, on va mettre la paume de la main. Tac. Et ensuite, on va faire l'espèce d'avant-bras, de mi-avant-bras, de ici, de la sorte. Tac, tac. Là, on se rend bien compte que je manque un peu de place sur la partie basse, mais c'est pas grave, on va venir en refaire plus tard si c'est nécessaire. Vous voyez là, j'aurais pu avoir typiquement cette zone là un peu plus décalée vers le haut, ça aurait beaucoup mieux fonctionné, c'est pas grave. Ça vous donne déjà une idée un petit peu du symbole, je reviendrai le corriger au blanc par la suite. J'aurais pu gratter un petit peu de surface en bas. C'est pas grave, je vais épaissir un petit peu mon cercle en bas. Essayer de récupérer un peu ça au blanc. Donc là, je reviens au blanc pour corriger un petit peu tout ça. On pourrait revenir au gris aussi, ça fonctionnerait. Je vais mettre au lit, mon petit chéri. Bien sûr. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, les enfants. Alors voilà, ensuite... De toute façon, on va arriver au bout de cette vidéo, hein, gentiment mais sûrement, après ce freehand. Bon, voilà, pas parfaitement exécuté, mais globalement, ça vous donne un ordre d'idée. Comme d'habitude, hein, pensez à aller mettre votre petit pouce bleu des familles en dessous de la vidéo. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à faire un saut sur mon Patreon. Vous aurez accès, comme d'habitude, à un petit groupe privé sur lequel vous pourrez poster un peu vos réalisations. Et dans une ambiance bon enfant, conviviale, sympathique, vous aurez mes petits retours. Et ceux de la bande de joyeux lurons qui composent mon Patreon, toujours au taquet. Ça fait plaisir. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Comme le faisait remarquer notre ami Marcellus, peut-être sur autre chose que du 40K et du Space Marine. Mais c'est pas dit. Je me laisse un petit peu le temps de la décision. Parce que mine de rien, le Space Marine, c'est bien aussi. Et on est loin de s'être tapé tous les chapitres. Donc, on va voir. On va regarder un petit peu. Mais effectivement, AOS, elle me fait de l'œil. Surtout si jamais je suis mon marchand du journaux, j'ai les petits fascicules. Auquel cas, c'est plus facile de se lancer et ça permet en plus de faire d'une pierre deux coups en touchant un petit peu potentiellement de nouveaux arrivants dans le game. Et ça peut être sympa. Voilà, le symbole est loin d'être parfait, on va le dire. Mais bon, ça fera le taf pour ce soir, les amis. Je vais quand même revenir au jaune parce que c'est quand même un peu gigoulasse en dessous. Donc je vais juste revenir atténuer le côté gigoulasse
avec du jaune. Et puis gentiment, je vais vous laisser. Je vous ferai une photo de toute façon que je partagerai pour vous montrer un peu ce que ça donne. Je vais juste vernir pour casser l'aspect brillant avant photo. Et comme ça, vous verrez le résultat en toffe dès demain. Donc sur de partout. De partout, enfin de partout. Je veux pas dire forcément partout partout, mais vous m'avez compris hein, sur mes réseaux. Donc voilà, je vais juste assombrir encore un peu avec ma fameuse encre Liquitex. Ouais, c'est doux, mais ça permet de faire le taf. Voilà, sur cette épaule, je sais pas ce qu'il faut que je mette comme symbole. Bon, je ferai ça plus tard, hein, ça presse pas de toute façon. Mais je vais juste corriger quand même un petit peu la zone là. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous avez trouvé ce live et tout ça. J'étais un petit peu plus éteint que d'habitude, un peu moins fifou, mais voilà. Donc là, je clean un peu quelques surfaces avec mon mélange de whisky et de jaune. Voili voilou les amis, j'espère que ça vous a plu, hein, les copains. Voili voilà. Quoi d'autre? Non, je n'ai plus grand-chose à dire, à vrai dire. Donc je vous embrasse tous, bonne nuit à tous. Alors pour un improvisé, moi si on avait tous ton talent, on aurait déjà plusieurs armées peintes comme ça. Merci, c'est gentil. Ah ouais, c'est propre à fond, lol. Anakil. Merci Anakil, c'est cool. Voilà. Bon en tout cas, voilà, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne nuitée les amis. J'espère que ce live vous a plu. Comme d'habitude, on jette un coup d'œil rapido muchacho. On va mettre un petit pouce bleu des familles. Enguerrand Raymond, merci pour ce live et bonne nuit. Merci, bonne nuit à tous. Toujours efficace, tu as été. Merci, merci, merci. Oui, Terreur, c'est une perceuse à main. En fait, je perce, je fais un trou dans le pied, je mets une tige en métal. Et y a là, je peux manipuler la figurine. Et puis, je peux même faire comme si elle tirait et tout, comme ça, pam, pam, pam. Bah, vous voyez, je suis fatigué. Bon, en tout cas, je vous embrasse tous. Et je vous dis à demain sur les réseaux pour voir cette petite figurine vernie. Et peut-être pas sur un socle parce que j'aurai peut-être pas le temps de le faire. Mais en tout cas, voilà. Gros bisous, à bientôt, les amis.